C'est un projet que je porte en moi, sous plusieurs formes d'ailleurs. Je pense que j'ai eu d'abord des images en traversant des villages de pêcheurs, en traversant particulièrement deux villages du côté de l'Anse Rouge, et sur une petite île de pêcheurs qu'on appelle les Caïmites. Et j'ai fait un premier essai avec une nouvelle qui s'appelle « Bain de lune » et qui est apparue dans un recueil en 1999, donc ça fait longtemps. Et beaucoup de gens avaient beaucoup aimé cette nouvelle, et moi aussi, je me disais, il y a matière à aller plus loin. Parce que pour moi-même, je n'étais pas allée assez loin, à mon goût, dans ce voyage intérieur, vers les terres intérieures. Donc, la vie a continué, j'ai fait autre chose. Il y avait toujours ces interrogations. Donc, je pense que j'ai beaucoup cheminé avec des amis historiens, anthropologues, sociologues, en fait, des vaudouisants, pour essayer de comprendre. Il y a eu d'autres œuvres, comme « La couleur de l'aube », il y a eu ensuite « Faille », le tremblement de terre, que je n'avais pas prévu, donc c'est arrivé comme ça. Et je l'ai entamé après « Faille ». Et j'ai dû m'arrêter, parce qu'à un moment donné, je me dis « jamais tu n'arriveras à terminer ce livre ». Et c'est un peu pour me guérir de cet abandon que j'ai fait « Guillaume et Nathalie ». Qui était déjà annoncé dans Faille, et puis je sais pas, quelque part, peut-être le personnage me disait, mais enfin, il faut que tu en finisses avec nous avant. Il a suffi que je termine Guillaume et Nathalie, c'est comme si c'est une route qui s'est ouverte. Et j'ai donc repris Bain de lune, et là c'était parti jusqu'à la fin. Oui, donc c'est un cheminement de plusieurs étapes, jusqu'à ce que je sois peut-être plus prête à faire ce voyage vers les terres intérieures, qui sont aussi mes propres terres intérieures à moi. L'histoire, c'est une manière de parler de la vie d'une communauté paysanne sur quatre générations. Et pour moi, il ne s'agissait pas de prendre une voix extérieure, une troisième personne. Je voulais montrer comment ce village nous voit, nous, qui venons de l'extérieur, à commencer par moi, même si je suis haïtienne, mais vous savez, en Haïti, je dis toujours, le privilège est une terre étrangère. Donc, comme je fais partie de ceux qui ont pu aller à l'école, qui n'ont jamais connu la faim, je suis dans la terre étrangère. Pour moi, c'était une manière de retrouver mes propres terres. Voilà. Donc, montrer l'histoire à partir de cette communauté paysanne, peut-être l'histoire aussi. Depuis l'occupation américaine au début du XXe siècle jusqu'aux années 2001-2002. Une manière de montrer qu'il y a des choses qui sont permanentes, mais aussi il y a de la mutation. Parce que souvent, on imagine nos pays comme des pays immuables. Où l'histoire ne se joue pas, mais l'histoire se déroule et on le voit. Et on sent toutes ces mutations. Et je ne voulais pas non plus trahir... En fait, une manière de voir le monde qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la manière judéo-chrétienne de voir le monde. On le voit à partir du religieux. Tout est structuré à partir du religieux. Tout est structuré à partir de la communauté. Et en allant, en creusant, je me suis rendu compte que beaucoup de communautés plus traditionnelles, que ce soit en France, quand j'ai lu la mémoire d'un paysan bas-breton, j'ai retrouvé des choses typiquement haïtiennes. Et les dieux grecs, c'était des dieux... que les gens vénéraient chez eux, c'était les dieux de la famille, les dieux domestiques. Et malgré les difficultés, je me dis, mais finalement, peut-être que j'allais vers quelque chose de très universel, bien que je me disais que je prenais des risques énormes. Et ça m'a aidé à trouver la forme, qui est la forme du nous collectif. Cette communauté, c'est une voix collective qui la porte. Et la jeune fille, puisqu'elle est la dernière de la lignée et qu'elle nous est contemporaine, elle utilise le jeu. Parce qu'elle aussi voudrait quand même sortir de cette communauté. Voilà. C'est un peu tout ça qui a mis du temps à se mettre en place. Voilà.